Mais il y a tout ce qu'il faut. Bah oui. Donc petite dépense. Ce à quoi ma marque de chips préférée, Strong, n'avait plus de lemon chicken. Donc j'ai pris des sour cream onion. Qui sont corrects. Voilà. Qui sont un truc voilà, basique. Ça se mange facile. Et voilà. Et merci pour le follow, Evinus. Merci beaucoup. Si je réponds, c'est que. Alors, si je réponds pas, c'est que je dors. Ok, ça marche. Pas de problème, hein, Ange. Il est pas impossible que je fasse une petite sieste pendant le live. Il essaiera de pas tomber à court de batterie pendant que je dors. Mais je suis rentré à 2h du mat. Je suis passé chez Talo hier soir. Je suis allé à Osaka Salon. Donc, j'ai pas dormi des masses. Alors, je pourrais très bien avoir un petit coup de fatigue à un moment ou à un autre. Hier soir, il y avait les îlotiers, trois îlotiers d'Osaka. Je pense qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il n'y en a que trois. Enfin bon, il y avait trois îlotiers d'Osaka qui essayaient de prendre contact avec les gens. C'est dur parce que les gens s'en foutent. Et comme c'est des gens qui représentent l'administration, bien que bénévoles et tout, ils se prennent surtout des critiques et des merdes dans la tête qu'ils ne méritent pas. Donc moi j'y étais allé pour voir qui c'était et puis discuter un peu, me foutre un peu de leur gueule, mais gentiment. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne et un pote, Loris, leur avait déjà taillé un bon costard. De rien pour le follow, je repasse un peu plus tard normalement. Bon stream à toi, merci, bon appétit, merci, merci. Mon stream devrait être très long aujourd'hui, donc je pense que tu devrais avoir l'occasion de repasser, oui. Ça devrait pouvoir se faire. Et là, la sieste sera à la bonne ici, c'est clair. Hein. Je vais bien me mettre sur la sieste, c'est cool. C'est sûr et certain. Et donc, voilà. Que disais-je? Oui, donc j'ai traîné chez Talo hier soir. J'y ai allé pour les îlotiers, je les ai loupés. Et ils se sont fait un peu agresser, les pauvres. Même si l'un d'entre eux, c'est un de nos potes, en fait. Après ça... Hein, du coup, quand je suis arrivé, il y avait un couple américain, nouveau dans le quartier, que j'avais jamais vu, qui a commencé à venir chez Talo assez récemment, techniquement. Et ils sont arrivés au début du Covid. Et c'est un couple hétéro. Et les deux sont super sympas. On a discuté de tout et de rien. On a passé un très bon moment ensemble. C'était super cool. Ce sont des skateboarders. Donc la vie au Japon pour eux c'est un peu pas pareil parce que bah voilà, skateboard on nous laisse pas faire où on veut ici. Donc voilà. Et on a bien discuté, puis eux ils sont partis avec le dernier train et moi comme d'hab le dernier train il était beaucoup trop tôt pour moi. Donc on a continué à refaire le monde avec Talo-kun. Et je suis parti à 2h du matin passé. Et voilà quoi. Je suis pas rentré à Pâtes, j'ai pris un taxi. Ce qui fait que j'étais au lit à 3h. J'ai dormi 4h en gros. J'ai dormi 4h cette nuit. Donc la petite sieste. Le coup de barre pourrait me tomber sur la tchetron. Ensuite, il faut que je prenne je fais une photo panoramique pour prévenir les gens qui doivent venir d'où je suis. Et ensuite, je vous fais faire un panorama du... Madame dormait déjà, oui, depuis un moment. Parce que madame, elle finit son contrat actuel demain. Et elle commence son nouveau boulot vendredi. Elle passe de employée intérimaire à employé en CDI dans une nouvelle boîte. Elle a été recrutée et donc voilà quoi. Même si elle a du bagage, hein, c'est pas une perdrix du printemps. Le stress. Donc non, elle s'est pas mis de mine, elle s'est rien fait. Elle se couche tôt, etc. Et oui, madame à 45 ans décroche un CDI.
C'était pas gagné techniquement. Alors, qu'est-ce que je vais leur envoyer en photo pour leur montrer où je suis?